Salut à tous, avec cette petite vidéo, je teste donc trois détecteurs de gaz, de butane, propane, gaz naturel et également monoxyde de carbone. Alors, si vous voulez me suivre durant cette vidéo, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais tester donc ces trois différents appareils. Alors, il y a celui-ci, le premier. Donc, c'est un détecteur de gaz, propane, butane, donc gaz naturel. Alors, l'avantage avec celui-ci, donc j'ai déjà mis évidemment des piles dedans, mais vous pouvez voir que il est également possible de le brancher sur secteur. Surprise, c'est ce que personnellement je préfère. Après, chacun fait son propre choix. Alors, je vais le tester donc avec vous. Alors, il y a celui-ci qui est également un détecteur, j'ai déjà mis les piles, donc il va vous indiquer donc une fuite de monoxyde de carbone. Donc il y a également celui-ci qui va vous permettre donc de détecter donc des petits endroits minutieux, par exemple une petite fuite. Donc c'est pour ça qu'il est équipé donc d'une sonde. Donc on va tester également cette sonde donc sur du gaz propane, sur du gaz de ville. Et nous allons voir donc s'il fonctionne correctement. J'ai déjà mis également les piles dedans donc pour gagner du temps, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc sur chaque appareil. Donc voilà, si vous voulez me suivre durant cette vidéo, vous êtes les bienvenus. À tout de suite. On voit que il met un certain temps, donc il n'a pas l'air de. Ah voilà, il a déclenché. Ok, on peut voir qu'il a déclenché. Voilà, celui-ci devrait fonctionner. Donc, ah voilà, le bouton test fonctionne. Vous pouvez voir. Donc, il est opérationnel maintenant que le bouton vert est bien enclenché. En fait, il faut attendre que le bouton vert donc soit visible pour pouvoir donc l'utiliser correctement. Alors, je vais le tester également donc sur ce type de gaz et voir s'il va sonner ou pas. Donc, il détecte propane, butane, donc, ah oui, voilà, donc directement celui-ci, vous voyez, donc il a mis beaucoup, beaucoup moins de temps donc au niveau du test. Voilà, donc en effet, donc il ne s'allume pas. Donc je l'allume. Donc il est très sensible aussi, alors que l'autre pas. Celui-ci donc évidemment détecte directement. Ok, donc ça sonne. Vous pouvez voir que l'appareil donc fonctionne donc correctement. Ok, je coupe directement.